Pour situer un peu d'où vient Paul VI, il est intéressant de savoir que selon Peter Abelways, le biographe officiel de Jean XXIII et de Paul VI, Angelo Roncalli établit pendant l'entre-deux-guerres d'importants contacts politiques avec Giorgio Montini, rédacteur en chef d'Il Cittadino di Brescia, militant du Parti populaire italien, un parti politique fondé en 1919 par les catholiques pour s'opposer au Parti socialiste italien. Farouche adversaire du fascisme, Giorgio Montini était le père de Giovanni Battista Montini, qui se ferait appeler un jour Paul VI. C'est à cette époque, chez Giorgio Montini, que les deux pires ennemis de l'Église se rencontrèrent et nouèrent une solide amitié. Le jeune prêtre Montini, au dire de Peter Abelways, n'était pas particulièrement religieux, et en dehors de la célébration de la messe, ou de l'accomplissement de divers rites sacramentels, le jeune prêtre ne semblait guère porté sur la vie spirituelle. Il montrait en outre une aversion pour les dévotions mariales, en particulier le rosaire. En revanche, il était très doué pour la diplomatie qu'il avait étudiée à l'Académie pontificale ecclésiastique. Excellent politicien, il assimila très facilement ses cours de diplomatie alors qu'il eut de justesse son diplôme de droit canon. En raison de ses aptitudes, le pape Pie XI l'envoya en 1923 à Varsovie, comme attaché de la nonciature papale. Mais la santé fragile du jeune diplomate ne put supporter la rigueur des hivers polonais, et il fut rapidement rapatrié à Rome, où il fut affecté à la secrétaire d'État, ainsi qu'à l'aumônerie de la Fédération universitaire catholique italienne. Par ce biais, le jeune Montini noua des amitiés durables avec d'une part Aldo Moro, l'un des fondateurs du Parti démocrate chrétien, qui naîtrait après la guerre et auquel la famille Montini s'attacherait religieusement, mais aussi avec le futur dirigeant du PDC, Giulio Andreotti, qui serait 17 fois Premier ministre de l'Italie et qui passerait les alliances avec les communistes, les francs-maçons et la mafia sicilienne. Cette collusion entre mafia, franc-maçonnerie, justice et responsables politiques italiens a d'ailleurs largement été médiatisée. Et le Vatican, par le biais du pape Montini et de ses amis, a largement trempé dans ces scandales. Nous y reviendrons. Mais pour l'instant, intéressons-nous à l'action subversive de Giovanni Battista et de ses acolytes et aux techniques sournoises qu'ils adoptèrent pour affaiblir l'Église sous le pontificat de sa sainteté Pie XII. Le travail de destruction de l'Église a été initié en amont de Vatican II. En effet, si le Concile a permis à la réforme de s'épanouir et de s'accélérer, elle était déjà en marche. Le terrain avait été préparé depuis longtemps, par les infiltrations modernistes. Mais depuis plus d'une décennie, des changements liturgiques successifs permirent d'habituer le clergé à vivre dans l'évolution du rite. Les membres de l'Église, et particulièrement le clergé, furent ainsi familiarisés avec l'esprit du monde, qui, comme l'océan, est inconstant. Au contraire de l'esprit de l'Église, qui, comme la terre, est stable et immuable. Il s'agissait de faire naître au sein du clergé cette sensation de trouble, d'inconfort, d'agitation, de remise en question que suscitent généralement les changements répétés, contrairement à la paix intérieure que procure l'habitude de calquer ses actes sur une sainte règle. L'ennemi très rusé, fort d'une expérience multiséculaire, savait que de cette lassitude informe éclorait un besoin fort de s'en remettre aveuglément à l'autorité, pour se sentir protégé, en sécurité, ce qui conduirait à une acceptation sans limite de l'autorité qui, en principe, savait ce qu'elle faisait. Ces dernières années, nous avons tous pu constater, à un autre niveau, le même phénomène de mise en œuvre d'un travail de sape sur la planète entière, avec des dirigeants qui se sont abrogés le droit de changer
ce qui pour les populations semblait immuable. Liberté de se déplacer, façon de se dire bonjour, liberté de se réunir pour pratiquer une activité ludique, liberté d'exprimer une opinion à contre-courant du consensus scientifico-médiatique, interdiction puis obligation de porter les masques, limitation du droit de visiter ses proches malades, d'assister aux funérailles d'un ami, imposition d'un laissez-passer, couvre-feu, sujétion à un pass vaccinal pour pouvoir travailler, etc. Et dans ce contexte incertain et inquiétant, ce qui est clairement apparu, c'est que la seule chose qui devait rester stable et ne pas changer, du moins pour l'instant, ce furent les institutions. Elles devaient devenir le seul repère invariable du citoyen lambda, afin de consolider l'emprise de l'autorité sur les masses sidérées, pour permettre la validation de changements sociétaux importants à venir, rendus possibles par une reddition sans condition des intelligences prêtes à tout accepter pour se sentir en sécurité. Ainsi, pour en revenir aux années 50, il faut comprendre que l'on assista, même si ce fut dans une moindre mesure, à un phénomène similaire. Le monde changeait à grande vitesse, et insidieusement, au sein de l'Église, des ennemis très rusés cherchaient à conditionner les catholiques pour aboutir au processus décrit précédemment. Les prêtres furent doucement plongés dans la confusion par la perte de certains repères, quand certains pans de la liturgie, qui semblaient codifiés pour l'éternité grâce à l'éclairage du Saint-Esprit, devenaient caducs, ou inutiles, ou facultatifs, ou étaient remplacés par une nouveauté imposée par les avancées de la connaissance humaine. Le seul repère que l'ennemi ne devait surtout pas changer pour l'instant, c'était l'importance de l'autorité du Saint-Père, le successeur de Pierre, celui qui avait reçu l'infaillibilité, car Satan avait bien compris combien pourrait lui être utile le dogme de l'infaillibilité pontificale et plus encore le devoir d'obéissance des catholiques au pape s'il réussissait le tour de force d'asseoir un de ses séides sur la chaire de vérité. Il savait très bien que quand le clergé séculier ne comprend plus ce qui se passe à la tête de l'Église, mais qu'il doit quotidiennement assumer son sacerdoce et s'occuper du salut de ses ouailles, que peut-il faire d'autre qu'accepter avec humilité les choix qui, a priori, émanent du vicaire du Christ et que la hiérarchie approuve dans sa quasi-totalité. Les catholiques adhèrent, et c'est leur devoir, aux dogmes enseignant que le pape bénéficie des lumières du Saint-Esprit, qu'il est le seul arbitre en matière de foi et de mœurs, matière dans lesquelles il ne peut errer, et que toute créature humaine, pour prétendre au salut éternel, doit lui être soumise. Alors, certains de ces principes salutaires, comment résister aux consignes du souverain pontife, sous prétexte que l'on ne comprend pas leur bien fondé, sans agir orgueilleusement? Car c'est une évidence que le devoir de soumission et d'obéissance au souverain pontife de tous les catholiques est nécessaire au bon fonctionnement de l'Église et de la société, le souverain pontife bénéficiant du charisme de l'infaillibilité. Hélas, on constate aujourd'hui combien ce principe, pourtant si saint et indispensable à la survie de l'Église, peut devenir dangereux pour l'Église quand ses membres, par leur propre volonté, n'en connaissent plus les limites évidentes, parce que la paresse, la lâcheté ou la complaisance pour l'erreur les ont poussés à ne pas en étudier les bornes infranchissables. Alors, quelle arme formidable pour le diable, lorsqu'il accomplit le prodige de détourner ce principe pour le retourner contre l'Église. Monseigneur de la Sue rapporte qu'un des séides de Satan, qu'il avait parfaitement compris, disait au XIXe siècle, « Par le bras,
par la voix, par la plume, par le cœur de ces innombrables évêques, prêtres, moines, religieux et fidèles de toutes les latitudes, la papauté trouve des dévouements sans cesse prêts au martyr et à l'enthousiasme. Partout où il lui plaît d'en invoquer, elle a des âmes qui meurent, d'autres qui se dévouent pour elle. C'est un levier immense, dont quelques papes seulement ont apprécié toute la puissance. Encore n'en ont-ils usé que dans une certaine mesure. Depuis, les maléfiques n'ont eu de cesse d'œuvrer pour placer un usurpateur au Vatican. Monseigneur de la Sue toujours témoigne que Nubius, l'un de leurs chefs, déclarait en avril 1824 « On a chargé nos épaules d'un lourd fardeau. Nous devons arriver, par de petits moyens, bien gradués, quoique assez mal définis, au triomphe de l'idée révolutionnaire par un pape. » Ce Nubius avait conscience que ce projet dément n'avait pu être conçu que par Satan, et que c'est lui qui donnerait les moyens pour réussir. Il disait « Ce calcul m'a toujours paru d'un calcul surhumain. » Et Monseigneur de la Sue commente « Il n'y avait en effet pour avoir l'idée d'une telle entreprise que celui qui avait déjà porté son audace plus haut encore puisqu'il s'était dressé contre l'Éternel lui-même. » Les ennemis allaient travailler sans relâche jusqu'à ce qu'ils aient réussi. L'un d'entre eux disait « Ce que nous devons demander, ce que nous devons chercher et attendre, comme les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. » Alors, si l'on comprend bien le génie diabolique qui se cache derrière cette intention, on doit comprendre aussi que pour qu'une entreprise aussi audacieuse réussisse, il fallait commencer par aveugler les intelligences, afin qu'in fine, l'immense majorité des catholiques suivissent un tel pape. Plonger les membres de l'Église dans un état d'esprit les poussant à accepter l'idée que l'Église était en mouvement, que le monde évoluait et que l'Église devait évoluer avec lui, était une étape indispensable du processus. Les changements liturgiques d'après-guerre s'inscrivirent dans cette logique de destruction de l'Église. Hélas, la malice qui initiait ces changements progressifs n'était pas visible de prime abord. Elle se contentait de semer le trouble et la confusion, en plongeant l'Église dans un état d'agitation et de remise en question, qui d'ailleurs existe toujours dans la contre-Église conciliaire, laissant à penser que la révolution post-Vatican II est encore loin d'être achevée. Ainsi, dans les années 50, les règles et les principes séculaires présidant à la liturgie commencèrent peu à peu à être remplacés au nom d'une simplification présentée sous un aspect pastoral positif. Cette manœuvre diabolique, étonnante par son efficacité, résultait principalement du travail de deux hommes, qui, à la fin des années 40, furent nommés à la tête d'une commission pour la réforme liturgique formée auprès de la Congrégation des Rites. Il s'agissait du père Antonelli et du père Bunini, qui devinrent respectivement directeur général et secrétaire de cette commission censée s'occuper du rite romain et étudier d'éventuelles modifications à apporter à la liturgie. Dès 1948, les deux compères œuvrèrent à préparer les esprits pour le Novus Ordo Missae, qu'instaurerait leur complice Giovanni Battista Montini en 1969. Cette commission pour la réforme liturgique travaillait dans l'ombre, en gardant le secret, comme le font ceux qui complotent. Ce qui est très surprenant de la part d'une entreprise présumée œuvrer pour la vérité et concourir à la diffusion de la lumière du Christ. On doit également noter que les membres de la Commission pour la réforme liturgique
ne furent pas les seuls artisans de la réforme. L'épiscopat français joua, lui aussi, un rôle important dans la mise en œuvre des transformations qui préparèrent Vatican II. Depuis des décennies, cet épiscopat était particulièrement infesté par l'esprit moderniste maçonnique. Cela avait été flagrant lorsque les évêques français avaient apporté leur soutien au cardinal Rampolla, candidat des loges pour le trône pontifical, battu fort heureusement lors du conclave de 1903 par le pape Saint-Pie-X, grâce à l'empereur d'Autriche François-Joseph Ier, qui porta l'exclusive contre le cardinal Félon. En 1950, selon le journaliste d'investigation Mino Picorelli, qui fut assassiné peu de temps après avoir dénoncé les connexions entre la mafia, la franc-maçonnerie et le Vatican, le cardinal Liénard, chef de l'Assemblée des évêques français, était franc-maçon. Le 22 novembre 1950, le cardinal invoqua des raisons pastorales pour demander au Saint-Siège la permission de célébrer la veillée pascale dans la nuit, plutôt que le matin. Permission lui fut accordée, mais curieusement, ce banal changement d'heure s'étoffa d'autres modifications qui constitueraient plus tard l'ossature du Novus Ordo Missae. Apparition de la table chère aux conciliaires, prêtres face aux fidèles, etc. Le secret de ces changements fut si bien protégé que la publication improvisée et inattendue de l'Ordo Sabbati Sancti Instaurati au début de mars 1951 prit par surprise les membres de la congrégation des rites eux-mêmes, pour reprendre les mots du père Bunini. Pourtant, normalement, le cardinal préfet de la congrégation des rites aurait dû connaître ces changements, car selon la règle, c'est lui qui aurait dû être l'interlocuteur du pape Pie XII pour l'instruire des travaux de la commission. Mais les résultats des travaux furent transmis au pape par un canal bien étrange. En effet, le père Bunini expliqua que sa sainteté Pie XII était tenue au courant par Monsignore Montini, mais plus encore, chaque semaine, par le père Béat, son confesseur. Il précisa même que, grâce à cet intermédiaire, on put atteindre des résultats notables, même pendant les périodes où la maladie du pape empêchait quiconque de s'en approcher. Euphémisme, signifiant qu'en isolant le pape et en étant ses seuls interlocuteurs, ils avaient pu sournoisement porter le sérieux coup à l'Église et amorcer le sabotage de la liturgie. On voit clairement l'empreinte des fils de la veuve dans ses manières de procéder. Les actions de la commission étaient élaborées à la manière des travaux des ateliers maçonniques. Leur validation par le pape ne suivait pas le protocole et ses interlocuteurs étaient Montini et Béat. L'homme qui substituerait au sacrement de l'Église des rituels invalides est l'homme de la déclaration Nostra Aetate, qui aurait l'audace de reconsidérer les relations entre l'Église du Christ et les fausses religions. Ce complice de Roncalli, qui irait jusqu'à inviter les ministres des fausses religions lors du conciliabule de Vatican II, afin de construire les bases de cette monstruosité qu'est l'écuménisme interreligieux. Alors, aujourd'hui, on sait qu'au cœur des réformes liturgiques en cours au début des années 50, en dehors des francs-maçons Antonelli et Bunini, se trouvait l'infâme Montini, que Pie XII chasserait brusquement du Vatican en 1954, lorsqu'il découvrirait sa compromission avec le régime soviétique, qu'il ne recevrait plus jamais alors qu'il était un de ses proches collaborateurs depuis 1939, mais aussi le futur cardinal Béat, de sinistre mémoire, dont le secrétaire n'était autre que le père Malachi Martin, qui révélerait plus tard les pressions exercées sur le cardinal Siri, et le billet de menace qu'on lui avait fait traduire
pour le même cardinal lors du funeste conclave d'où sortit l'imposteur Roncalli. Le pauvre pape était cerné par les ennemis de la vérité, qu'il avait isolé, et il y a fort à parier qu'il ait été tenu à l'écart des véritables changements opérés dans l'ombre, par des hommes qui avaient alors toute sa confiance, mais qui étaient des fils du séducteur infernal. La demande de simples changements d'horaire, que fit leur complice Liénard, était l'alibi pour pouvoir procéder au vrai changement. Ainsi, par la connivence de ces traîtres en soutane, profitant de la maladie du pape Pie XII, Satan soufflait la confusion sur l'Église et conditionnait le clergé à accepter Vatican II, qui se profilait. Pire, plus tard, après la mort du pape Pie XII, Giovanni Battista Montini et ses frères se serviraient de ce qu'ils avaient réussi à faire valider par la ruse à sa sainteté Pie XII pour justifier la destruction de la messe. En effet, le pape Montini prétendrait être dans la continuité de l'œuvre de son illustre prédécesseur, Pie XII. Ainsi donc, Giovanni Battista Montini avait entretenu des relations diplomatiques avec l'URSS quand il était secrétaire d'État du Vatican, en dépit des ordres du pape Pie XII, qui définissait le communisme comme une disgrâce pour l'humanité et qui avait excommunié tous les catholiques se déclarant communistes, tant ils refusaient, au nom du Christ, tout contact avec cette idéologie intrinsèquement perverse. Quand le pape Pie XII apprit cette trahison, Montini fut expulsé de la secrétaire d'État et envoyé à Milan pour éviter le scandale. Le pontife ne l'accepta plus jamais en audience et fit comprendre aux cardinaux que pour le bien de l'Église, il ne voulait pas de cet homme pour successeur. D'ailleurs, Pie XII n'éleva jamais Montini au rang de cardinal, bien que Milan fût par tradition siège cardinalis. Il n'était pas question que ce traître en soutane entrât dans le sacré collège et qu'il puisse participer au futur conclave. Cette version édulcorée des faits, vous l'avez déjà probablement entendue. Cependant, les détails de cette trahison laissent apparaître une réalité bien plus grave. Ils dessinent le profil et le mode opératoire des agents ennemis infiltrés et, dans ce cas précis, la connexion entre l'agent subversif et le bloc communiste a été clairement établie. D'ailleurs, le pape Pie XII n'aurait pas pris de telles sanctions envers son secrétaire d'État pour de simples suspicions ou même pour une grosse erreur diplomatique. Don Luigi Villa, qui a étudié l'affaire en profondeur, rapporte que durant l'été 1944, puis en 1945, Montini commença des négociations secrètes avec les communistes italiens, en vue de préparer une alliance entre le Parti démocrate chrétien, les socialistes et les communistes, pour la période de l'après-guerre, malgré l'avis du pape Pie XII. Comme le rapporte Martinez, le 10 juillet 1944, il y eut une rencontre entre Mgr Montini, qui agissait à l'insu de Pie XII, et Palmiro Togliatti, chef indiscuté du Parti communiste italien, qui était depuis peu rentré à Rome après 18 ans d'exil en Union soviétique. Ce fut le premier contact entre le Vatican et un leader du communisme. On ébaucha un plan qui servirait de base à un accord entre le Parti démocrate chrétien, les socialistes et les communistes, pour conférer aux trois partis le contrôle total dans n'importe quel gouvernement d'après-guerre en Italie. Le plan définissait en outre les conditions pour de futures collaborations entre l'Église catholique et l'Union soviétique. L'autre tentative d'instaurer des rapports entre le Saint-Siège et l'Union soviétique eut lieu en 1945, à la veille de la conférence de Yalta, de la propre initiative de Mgr Montini, une rencontre entre Montini et le communiste Eugenio Reale, alors sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères. Ainsi, Giovanni Battista n'obéissait pas aux instructions simples
et pleine de bon sens du représentant du Christ ici-bas. Ce ne sont cependant pas ces faits qui lui firent perdre définitivement l'estime de sa sainteté Pie XII, mais d'autres bien plus graves. En effet, en 1954, le souverain pontife eut entre les mains les preuves incontestables de la trahison de son collaborateur au profit du régime communiste antichrétien du RSS. C'est le colonel Arnon, un ancien des services secrets français, désormais au service du Saint-Père, qui lui apporta ses preuves de Suède, où l'archevêque luthérien d'Uppsala lui avait confié une enveloppe scellée à remettre en main propre à Pie XII, avec consigne de ne parler à personne de ce pli secret tant que le Saint-Père n'en aurait pas pris connaissance. Il contenait les preuves que le Vatican entretenait des relations avec les Soviétiques. Pie XII lut la lettre devant le colonel Arnaud, qui le vit alors blêmir d'indignation. Le général Lecomte, des services secrets français, fit d'autres révélations à Don Luigi Villa, confirmant et éclairant les faits précédemment décrits. En effet, après avoir largement évoqué l'infiltration maçonnique dans l'Église, il prétendit que Giovanni Battista Montini était inscrit dans une loge maçonnique et qu'il travaillait pour la Russie à l'insu du pape, ce que savait déjà Don Luigi Villa. Il lui affirma aussi que ce fut le cardinal Pizzardo, l'un des mentors de Montini, qui l'envoya à Milan pour lui sauver la mise. Sur les rapports obscurs de Monsignor et Montini avec les Rouges, il existe aussi la source des archives du cardinal Tisserand, archives contenant les rapports secrets qui furent transmises à Pie XII par le colonel Arnaud. Le dossier ad hoc est constitué surtout de lettres de Montini qui signalaient au KGB les noms et les mouvements sacerdotaux, surtout jésuites, qui exerçaient clandestinement le ministère sacerdotal parmi les peuplades opprimées et persécutées des pays communistes. Pie XII n'arrivait pas à expliquer la cause du terrible drame de la disparition systématique des prêtres envoyés clandestinement en Russie, sinon par l'existence d'un espion caché au Vatican. Comment aurait-il pu soupçonner son si proche collaborateur? On peut aussi souligner que le jésuite Alighiero Tondi, un homme très proche de Montini, fut pris en flagrant délit alors qu'il photographiait des documents secrets au Vatican. Une enquête méticuleuse permit de découvrir qu'il était un agent du KGB, qui avait été formé à Moscou, et qu'il transmettait les documents photographiés dans les archives vaticanes aux renseignements soviétiques. Il dénonçait ainsi les évêques et les prêtres envoyés clandestinement derrière le rideau de fer par Pie XII. Là-bas, ils étaient arrêtés, tués ou déportés dans les goulags soviétiques pour y mourir à petit feu. Lorsque Pie XII l'apprit, il fit un malaise et fut contraint de rester au lit pendant plusieurs jours. On retiendra de ces événements que ce fut donc dans un contexte tendu que Montini fut nommé archevêque de Milan, grâce à son mentor. Ce qui explique aussi qu'il ne fut plus jamais reçu en audience par le pape Pie XII. Mais à Milan, Giovanni Battista Montini ne semblait pas traumatisé, et encore moins repentant. Il prit ses aises, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'offrit pas aux Milanais un exemple édifiant d'héroïcité dans la pratique des vertus chrétiennes. Dès le jour de son arrivée, relate Peter Ebelweis, les Milanais, qui avaient une grande dévotion pour la Mère de Dieu, commencèrent à se plaindre que le nouvel archevêque Montini manquait de sensibilité mariale, accusation renforcée par la remarquable absence de l'archevêque à la fête traditionnelle du couronnement de Marie et au pèlerinage à Lorette et sa non-participation à la récitation publique du chapelet. Mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Giovanni Battista se surpasserait pour les décevoir. En effet, le nouvel archevêque s'entoura de personnages peu recommandables, qui ne cachaient pas leurs engagements contre la morale catholique, gauchistes de tous bords, anarchistes, communistes, socialistes, mafieux, francs-maçons, membres de l'avant-garde artistique et littéraire de Milan, défilaient dans ses appartements,
le scandale était grand et les rumeurs allaient bon train. Les catholiques milanais comprirent assez rapidement qu'ils avaient affaire à un voyou, un loup vêtu d'une peau de brebis. Il faut dire que, chose étonnante pour un évêque, Monseigneur Montini était un disciple et ami de Jacques Maritain et de son humanisme intégral, décrit dans le courrier de Rome comme englobant une fraternité universelle d'hommes de bonne volonté appartenant à différentes religions ou n'en ayant pas, fraternité au sein de laquelle l'Église devrait agir comme un levain sans s'imposer et sans exiger d'être reconnue en tant que seule Église authentique. Un humanisme intégral, donc, dans lequel la déclaration des droits de l'homme remplace l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, pour reprendre les mots forts de l'abbé Georges de Nantes. Jacques Maritain présenta Saul David Alinsky, l'apôtre de la Révolution permanente, à l'évêque qui n'aimait guère le Très-Saint-Rosaire. Ce dernier fut tant impressionné par ce personnage qu'il l'hébergea chez lui pendant 15 jours afin de profiter de ses lumières et lui demander des conseils pour la manière de gérer les rapports entre l'Église et les syndicats. Quel étrange conseiller pour un archevêque, quand on sait que Saul Alinsky était fier d'avoir participé aux levées de fonds destinées à aider les brigades internationales, ces bandes armées d'assassins apatrides, qui partaient se battre contre Franco et qui en profitaient pour persécuter les catholiques espagnols avec une cruauté ignoble. Il déclara à ce propos, dans les années 30, les communistes avaient fait un sacré bon boulot. Ils étaient à l'avant-garde du mouvement des travailleurs. À l'époque, j'étais aussi bien disposé vis-à-vis de la Russie. Non pas parce que j'admirais Staline ou le système soviétique, mais parce que j'avais l'impression que c'était le seul pays qui souhaitait s'opposer à Hitler. J'étais chargé d'une bonne partie des levées de fonds pour les brigades internationales. Et, dans ce cadre, j'étais assez proche du Parti communiste. Don Luigi Villa met en avant que dans Jacques Maritain and Saul David Alinsky, père de la Révolution chrétienne, Hamish Fraser, rédacteur en chef d'Approach, écrit au sujet d'Alinsky « Alinsky est lui-même un produit du naturalisme franc-maçon et marxiste révolutionnaire qui, dans ses deux variantes, apprécie la nécessité pour les élites de prendre et de conserver le pouvoir réel. » Mais aussi, Alinsky était un mécréant aux yeux de qui l'idée même de dogme était anathème. Et encore, étant donné le naturalisme d'Alinsky, on ne doit pas s'étonner que dans son éthique sociale, il n'y ait place pour rien qui soit intrinsèquement bien ou mal. Il parlait avec mépris de la culture ancienne dans laquelle la virginité était une vertu. Et enfin, l'Église d'aujourd'hui et de demain d'Alinsky n'était pas plus catholique que protestante, juive, islamique, bouddhiste ou animiste. C'était un syncrétisme mondialisateur, un amalgame synoptique de toutes les croyances qui avaient jamais existé. Enfin, ce que Saul Alinsky avait d'unique, c'était non pas sa recette d'une église syncrétiste et mondialisée, mais le fait qu'il fut le premier à voir ses idées largement acceptées au sein de l'Église catholique. Mais si Jacques Maritain et son plus éminent disciple, le pape Paul VI, n'avaient pas jeté les bases de la révolution dans l'Église, l'alliance et l'intimité d'Alinsky avec l'Église auraient été impossibles, conclut Fraser. Mais parlons aussi de l'entourage proche de l'archevêque de Milan avant qu'il n'usurpe pas le trône pontifical. En 1976, dans le journal Il Borghese, Les noms de code et les dates d'initiation de Monsignor Pasquale Macci, futur archevêque, et de Monsignor Giovanni Benelli, futur cardinal et secrétaire d'État, deux de ses plus proches assistants depuis Milan, apparurent sur une liste de personnages haut placés du Vatican qui étaient membres de sociétés secrètes. Cela n'eut aucune incidence sur leur avancement. Plus grave. Dans le milieu milanais, le Sicilien Michele Sindona,
alias Il Squalo, le requin, était une figure incontournable des milieux financiers occultes, bien avant la nomination de Giovanni Battista Montini à la tête du diocèse. Dès que Monsignore Montini fut installé, Il Squalo obtint de l'archevêque de Messine une lettre d'introduction auprès du nouveau prélat qui devint un nouveau client. Cette rencontre eut de graves conséquences. Monsignore fut si satisfait des services du requin qu'il l'emmena à Rome pour le présenter au prince Massimo Spada, haut fonctionnaire de l'Instituto per le Opere de Religioni, institut qui fait office d'établissement de dépôt pour les biens de l'Église destinés à des œuvres charitables et aussi connu sous le nom de Banque du Vatican. Rapidement, Sindona obtint le contrôle quasi total du programme d'investissements étrangers de l'Institut, dont les actifs bruts représentaient à l'époque plus $1 milliard. Le montant, bien qu'énorme, n'était pas la cible que la mafia sicilienne visait en s'immisçant dans l'Institut. Le véritable intérêt était l'exonération d'impôts dont il jouissait et surtout son potentiel de blanchiment d'argent sale issu du trafic de drogue, de la prostitution et de toutes sortes d'autres trafics illégaux, sans oublier bien sûr sa capacité à dissimuler des contributions politiques illégales provenant de sources occultes telles que la franc-maçonnerie. En 1960, Sindona s'offrit sa propre banque. Il y reçut des dépôts de fonds de l'Institut pour les œuvres religieuses, dont il se servit, pour spéculer et accroître sa fortune. Le blanchiment d'argent sale s'opérait par le biais de la Banque du Vatican. Aussi, quand son ami Giovanni Battista Montini s'installa au Vatican, Il Squalo saisit l'opportunité et le suivit à Rome, où il occupa une place de premier plan au sein de la Banque du Vatican. En 1964, il créa une société de courtage en devises internationales appelée Monerex, qui avait 850 banques pour clients et brassait chaque année $200 millions. De nombreux membres du palais du Latran et des personnalités romaines profitèrent de cette société pour placer leur fortune sur des comptes offshore illégaux. Mais Sindona, comme tout escroc, gardait trace des transactions de ses clients. Le Vatican, Giovanni Battista Montini, ainsi que des membres haut placés du Parti démocrate chrétien, du Parti socialiste et du Parti social-démocrate, figuraient dans le carnet noir du requin. À la fin des années 60, le Gruppo Sindona a englobé plus de 500 sociétés géantes et conglomérats, ainsi que 6 banques, dont la Franklin National Bank de New York, 18e plus grande banque des États-Unis, possédant plus de $5 milliards d'actifs. Sindona, qui avait obtenu des fonds de la mafia sicilienne, obtint après 1971 des fonds de la Propaganda 2, la fameuse loge maçonnique P2, œuvrant pour les fausses élites italiennes. Le requin se chargeait aussi de transactions financières pour le compte de la CIA, qui déversait alors de grosses sommes d'argent en Italie, notamment à la Banque du Vatican. Ainsi, Montini avait fait rentrer le loup dans la bergerie. La Banque du Vatican, qui jadis servait de dépôt pour les biens de l'Église destinés à des œuvres de charité, travaillait désormais avec les ennemis de l'Église. L'immorale CIA, la mafia sicilienne et la franc-maçonnerie internationale. Les scandales internationaux successifs qui se sont produits dans le sillage de cette union contre nature, faillite de la Franklin National Bank et du Banco Ambrosiano, banque catholique italienne, dénonciation publique de la Propaganda 2, la loge P2, et publication de la liste de ses membres, assassinat de Sindona et Calvi, sont autant de sinistres rappels d'un pontificat, entre guillemets, caractérisé par la corruption, comme le souligne très justement Don Luigi Villa. Mais du entre guillemets pontificat de Paul VI, on retiendra aussi une autre forme de corruption bien plus grave.
la corruption des mœurs. La journaliste d'investigation américaine Randi Engel écrivit que CNS révéla qu'en 1961, une directive avait été émise par la Sacrée Congrégation pour les religieux réitérant l'opposition de l'Église à l'ordination des prêtres et religieux homosexuels. Ce document, alors envoyé à tous les ordinaires, indiquait entre autres choses que ceux qui sont atteints de tendances perverses vers l'homosexualité ou la pédérastie devraient être exclus des vœux religieux et de l'ordination. Et Randi Engel mettait en avant qu'alors le Saint-Office, dirigé par le cardinal Ottaviani, incriminait les tendances perverses et non pas seulement des actes avérés. Ces recommandations relevaient de la prudence la plus élémentaire, mais l'auteur émit cependant cette réserve que le document ne contenait aucun règlement de surveillance spécifique pour garantir son application et il ne fut pas largement publié dans la presse catholique. Au contraire, l'application de la directive fut laissée à la prudence des évêques locaux et des responsables des ordres religieux. Combinaison qui s'est avérée désastreuse pour la contre-église moderniste. Et Randi Engel fit ensuite le constat que le nombre d'homosexuels reconnus, accueillis dans les séminaires et ordonnés ensuite, ainsi que l'élévation d'évêques homosexuels en vue au cardinalat, augmenta de façon significative sous le pontificat de Paul VI. Elle remarqua à ce propos que les clercs homosexuels, avec des dispositions créatives et un penchant pour la nouveauté, sont souvent attirés par les programmes de renouveau liturgique ou de destruction de l'Église. Lors de son enquête sur la perversion des mœurs dans la contre-Église, Randi Engel recoupa de nombreux témoignages, allant tous dans le même sens, si incroyable soit-il, Giovanni Battista Montini était un averti. Elle cite Franco Bellegrandi, l'auteur de Nikita Roncalli, qui fit des révélations fracassantes sur les frasques de ce démon incarné, assurant par exemple que lorsqu'il était archevêque de Milan, la police locale, lors d'une descente nocturne, l'aurait trouvé dans un lupanar homosexuel. L'ancien camérier secret décrivit aussi le lamentable processus de colonisation homosexuelle du Vatican, qui, selon lui, avait commencé sous le règne de Roncalli, mais s'était largement accéléré sous celui de Montini. Il s'offusqua d'ailleurs que d'anciens employés du Vatican fussent licenciés pour faire place aux favoris de Montini, affligés du même vice que lui. Favoris qui ne manquèrent pas ensuite d'introduire au Vatican leurs gitons, que Franco Bellegrandi décrivit comme des jeunes gens efféminés, abordant d'élégants uniformes et se maquillant pour masquer leur barbe. Le camérier apporta encore que selon ce que lui avait dit un fonctionnaire du service de sécurité du Vatican, l'acteur ami de Montini avait libre accès aux appartements pontificaux et qu'on le voyait emprunter l'ascenseur du « entre guillemets pape » la nuit. Il y a aussi le témoignage de l'abbé de Nantes, qui relata une anecdote qui lui était arrivée à la veille du conclave de 1963. L'abbé de Saint-Avit, de la basilique de Saint-Paul hors les murs, l'avait informé le soir de l'ouverture du conclave que la brigade des mœurs de la police de Milan avait un dossier sur Montini, et que par conséquent, Montini ne pourrait jamais être élu. Hélas. On doit aussi se rappeler de l'indignation du même abbé s'adressant à Carole Wojtyla, alias Jean-Paul II, pour répondre à son annonce du 13 mai 1993, en la fête de Notre-Dame de Fatima, lors de laquelle l'imposteur avait déclaré que le processus de canonisation du pape Paul VI avançait selon la procédure préliminaire initiée à Milan en 1992. L'abbé déclara alors « Donc, après que l'élection d'un homosexuel avéré au trône de Saint-Pierre a empoisonné l'Église, vous, très Saint-Père,
vous voudriez le faire revivre et se renforcer en élevant ce même misérable Paul VI aux autels, ainsi qu'en offrant ses os comme relique aux pieux baisers des fidèles et sa face tourmentée à leur fervent regard dans la gloire du Bernin. Ah non, c'est impossible, ce ne sera pas. Hélas encore, les craintes de l'abbé de Nantes de voir un jour la face de cet antichrist proposé à la vénération des fidèles dans la basilique Saint-Pierre sont devenues réalité depuis que Georges Bergoglio l'a canonisé le 6 février 2018. Pourtant, le reporter français Pierre Lafitte, militant pour les droits, entre guillemets, des homosexuels, divulgua lui aussi le passé trouble de Montigny en avril 1976. Puis, Paul Hoffman, ancien correspondant à Rome du New York Times, reprit les accusations de Pierre Lafitte en citant le nom de l'acteur italien Paolo Carlini, dont Montigny aurait fait la connaissance à Milan et qui rendait régulièrement visite à Giovanni Battista dans ses appartements privés du Vatican. Il eut aussi le témoignage de Robin Bryans, écrivain irlandais, autre homosexuel, qui soutint dans son autobiographie que son ami Hugues Montgomery, frère de l'acteur Peter Montgomery, lui avait avoué avoir été l'amant de Montigny dans la jeunesse des deux hommes autour de 1935. Ce dernier avait fait la connaissance du jeune diplomate Giovanni Battista Montigny alors qu'il occupait lui aussi un poste diplomatique au Vatican comme chargé d'affaires pour la Grande-Bretagne auprès du Saint-Siège. Et ce fut à cette époque que les deux hommes s'engagèrent dans une relation contre nature. C'est aussi un fait que l'imposteur Paul VI est reconnu comme homosexuel dans de nombreuses publications LGBT, etc. Ces milieux le décrivaient déjà comme un des leurs, longtemps avant que la question de l'homosexualité ne devienne un élément central des préoccupations de l'Occident dégénéré. Mais comme l'explique très bien Randy Engel, ce qui est certain, c'est que l'homosexualité connue du pape Saint Montigny, qu'elle ait été réelle ou non, a indéniablement favorisé le changement de paradigme qui a accompagné la montée du collectif homosexuel dans la contre-église post-Vatican II de par le monde au milieu du XXe siècle. Paul VI a aussi joué un rôle décisif dans le choix et l'avancement de nombreux membres homosexuels de la hiérarchie de la fausse église. La journaliste précise d'ailleurs sa pensée en démontrant que la connaissance du fait abominable qu'un homosexuel occupait le siège de Pierre, connaissance qui s'est répandue comme un feu de brousse dans le milieu cancanier des gays, a sûrement donné à des homosexuels mâles l'envie de devenir prêtres tout en envisageant l'impensable, c'est-à-dire un ordre religieux ou une communauté religieuse se composant exclusivement de sodomites. Et elle enfonce encore le clou en déclarant « Il y a plus ». Le quasi-secret longtemps gardé sur la vie homosexuelle de Paul VI contribue depuis des décennies au silence et à la dissimulation de la hiérarchie américaine sur la question de l'homosexualité en général et celle des activités criminelles des prêtres pédérastes en particulier. Soulignons ici qu'au vu du CV de l'intéressé, une question nous brûle les lèvres. On a en effet envie de demander aux âmes de bonne volonté, assez naïves pour croire qu'une fois qu'il serait monté sur le trône de Saint-Pierre, les ennemis de l'Église lui auraient substitué un sosie pour pouvoir détruire l'Église de l'intérieur. Pourquoi aurait-il eu besoin de le faire alors que l'original était si parfait pour tenir ce rôle? Angelo Roncalli accéda au Saint-Siège en octobre 1958 en préparant efficacement le pseudo-concile Vatican II. Et il est bon de rappeler que Jean XXIII n'a invoqué aucun des motifs légitimes
pour convoquer un concile œcuménique, à savoir mettre fin à un schisme, condamner l'hérésie, préciser un ou plusieurs points de dogme, instituer une réforme au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire s'attaquer au laxisme en matière de discipline ou de morale ecclésiale. Au contraire, le stupéfiant et effrayant conciliabule, connu sous le nom de Concile Vatican II, a été convoqué dans un but avoué de mise à jour de l'Église, ou, pour parler plus clairement, de faire entrer l'Église dans le monde moderne. Intention clairement exprimée le 11 octobre 1962 dans le discours rédigé par Montini et prononcé par le pape Roncalli devant plus de 2000 pères réunis pour l'ouverture solennelle du concile dans la basilique Saint-Pierre. Ce qui, évidemment, était une étrange et suspecte nouveauté. Mais Angelo Roncalli ne préparait pas le terrain tout seul. La journaliste Marie Martinez révèle qu'avant même que Jean XXIII eût entamé son pontificat, l'archevêque Montini et le groupe du Rhin, composés des sommités révolutionnaires tels que le théologien suisse Hans Küng, Léo Joseph Suenens, Julius Döpfner, Franciscus König, Augustin Béat, mais aussi Albino Luciani, le futur Jean-Paul Ier, qui furent tous élevés, soit à la cardinalis, soit à l'épiscopat par Angelo Roncalli, s'étaient rencontrés lors d'une série de réunions secrètes tenues à Munich en vue de préparer 1789 dans l'Église. Ce qui explique, comme le souligna la journaliste Marie Martinez, que 4 jours avant l'éclair qui aurait inspiré le concile au pape Jean, non seulement Küng déclara devant un public stupéfait lors d'une conférence organisée à l'abbatiale de Lucerne, en Suisse, qu'il allait y avoir un concile général, mais qu'il en indiqua l'orientation et l'ordre du jour. Ainsi, tandis que sur l'ordre de Jean XXIII, la curie et la commission préparatoire du concile s'attelaient sérieusement à la rédaction de schémas orthodoxes conçus pour servir de base aux délibérations des pairs, la Montini's Connection rédigeait des schémas parallèles destinés à être adoptés lorsque l'ordre viendrait de mettre au panier les projets approuvés par la curie et de reprendre tous les travaux à zéro. Comme le Sanhédrin complota pour condamner à mort le Christ avant même qu'il fût jugé, cette assemblée condamna à mort son corps mystique. Et en effet, comme prévu, dès l'ouverture de Vatican II, le programme préétabli par la curie romaine fut rejeté, et les pères conciliaires prirent l'ordre du jour en main. Les textes, quasiment prêts à être votés, fruits de plusieurs années de travail, furent jetés aux orties. Par exemple, voici ce que rapporte le journal La Croix du 17 mars 2012. Le 14 novembre 1962, le concile s'attaque au schéma préparatoire sur les sources de la révélation. Le cardinal conservateur Ottaviani, président de la commission doctrinale, lui est très favorable. Il maintient notamment la notion des 2 sources, écriture et tradition. Mais un profond malaise s'installe dans l'assemblée. L'enjeu œcuménique est majeur. Les observateurs protestants ne pouvant accepter ce dualisme, plusieurs cardinaux font des interventions très négatives. Les jours suivants, le blocage se confirme. Le 20 novembre, un vote étrange est proposé. Au lieu de voter pour ou contre le texte, les évêques doivent répondre à la question « Voulez-vous que l'on arrête la discussion ?» La majorité des 2/3 nécessaires pour l'interruption n'est pas atteinte. Mais le lendemain, Jean XXIII tranche et confie la refonte du texte à une commission mixte composée de cardinaux, de membres de la commission théologique et du secrétariat romain pour l'unité des chrétiens. Le concile respire un air nouveau, titre le journal La Croix le lendemain, en réponse aux mots de Roncalli,
qui avait déclaré, en convoquant Vatican II, « Il faut ouvrir les fenêtres de l'Église ». Comme Randy Engel le souligne, Marie Martinez explique qu'avec l'appui du cardinal Montini, qui travaillait de l'intérieur à orienter le concile, le groupe du Rhin put contrôler le mécanisme du concile en assurant une composition avantageuse des commissions, en modifiant les règlements et en pratiquant une micro-gestion de la presse. Elle ajoute « Il est amplement reconnu aujourd'hui par les adversaires, comme par les partisans de la révolution qui a fait rage dans l'Église, que le cardinal Montini contrôlait en coulisses, depuis 1000 ans, l'orientation et l'ordre du jour des premières journées du Concile, et que, selon Amerio, Osservatore Romano publia, la veille du Concile, des extraits d'un livre sur l'avenir de ce dernier, écrit par le cardinal Montini et publié par l'Université de Milan. Montini y soulignait que la mission du Concile était de réaménager la foi pour en minimiser les éléments surnaturels afin de la rendre plus acceptable par le monde moderne et l'homme moderne. Alors, lors de ce « entre guillemets concile », il fut alors beaucoup débattu du rapport que l'Église catholique, selon les progressistes, devait entretenir avec les sectes hérétiques et schismatiques, qui, comme par enchantement, devenaient soudain d'autres confessions chrétiennes ou d'autres religions, laissant supposer que l'Église catholique n'était qu'une chapelle de l'Église du Christ parmi d'autres. La liberté religieuse, ce fruit maçonnique tant décrié par les papes depuis l'apparition des Lumières, devait être digéré par les pères conciliaires, même si 30 ans plus tôt, en 1928, dans l'encyclique Mortalium Animos, Pie XI avait dénoncé avec véhémence les panchrétiens qui cherchaient à fédérer les églises. Le Saint-Père avait alors mis en avant la vraie chrétienté. Il était ferme. L'unité des chrétiens ne pouvait être assurée que par le retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ. L'Église catholique n'a jamais reçu d'enseignement des hérétiques et des schismatiques. Elle reçoit tous ses enseignements du Christ et elle n'entretient aucune relation officielle avec les sectes prétendues chrétiennes. Sa sainteté Pie XII refusa même de participer aux premières assemblées du Conseil œcuménique des Églises à Amsterdam en 1948 et à Evanston en 1954. Dans son encyclique Humani Generis du 12 août 1950 sur les fausses doctrines qui menaçaient de ruiner les fondements de la doctrine catholique, le très Saint-Père, sentant venir le danger, incita à ce propos les théologiens à étudier ces opinions fausses pour pouvoir les combattre, disant, par ailleurs, les théologiens et les philosophes catholiques, auxquels incombe la lourde charge de défendre la vérité divine et humaine et de l'inculquer à toutes les âmes, n'ont pas le droit d'ignorer, ni de négliger les systèmes qui s'écartent plus ou moins de la droite voie. Bien plus, il leur faut les connaître à fond. D'abord, parce qu'on ne peut guérir que les maux que l'on connaît bien, puis parce que dans les systèmes erronés peut se cacher quelques lueurs de vérité, et parce qu'enfin, ces erreurs poussent l'esprit à scruter avec plus de soin et à apprécier mieux telle ou telle vérité philosophique et théologique. Mais il ne s'arrêta pas là. Il mit en garde les nouveaux théologiens imprudents du danger réel de vouloir se rapprocher des hérétiques en faisant des concessions. Quelques-uns semblent prendre pour des obstacles à la restauration de l'unité fraternelle tout ce qui s'appuie sur les lois et les principes mêmes que donna le Christ et sur les institutions qu'il a établies, sur tout ce qui se dresse en somme comme autant de défense et de soutien
pour l'intégrité de la foi. L'écroulement de l'ensemble assurerait l'union, pense-t-il, mais disons-le, ce serait pour la ruine. Le Saint-Père faisait preuve d'une grande clairvoyance, mais 6 ans seulement après sa mort, le décret Unitatis et d'Integratio du 21 novembre 1964, promulgué par Saint Montini, prit le contre-pied de l'encyclique du pape Pie XII. L'Antichrist y expliqua que l'un des buts principaux du Concile Vatican II était la restauration de l'unité de tous les chrétiens, mais pas par la conversion des individus au catholicisme, non, par l'unification des communautés impliquant leur reconnaissance en tant que communauté chrétienne par l'Église. Ainsi, ce que sa sainteté Pie XII appelait dans une grande lucidité, l'écroulement de l'Église, sa ruine, une décennie plus tard, M. Montini le présentait comme un aspect essentiel de la vie chrétienne, l'œcuménisme interreligieux. Les hérétiques et les schismatiques devenaient des frères séparés. Il fallait combattre toute attitude hostile envers eux, prier avec eux, dialoguer avec eux pour apprendre à se connaître et, par-dessus tout, chercher à se rénover et à se réformer. Le lamentable Paul VI formula même une demande de pardon aux hérétiques et schismatiques en prétendant parler au nom de l'Église du Christ. Il dit alors: si dans les causes de cette séparation, une faute pouvait nous être imputée, nous en demandons humblement pardon à Dieu et nous sollicitons aussi le pardon de nos frères. On croit rêver, et pourtant c'est la stricte vérité établie par des faits tangibles. Et si hypocritement, l'imposteur rappela tout de même la place unique de l'Église dans l'œuvre du salut, c'est parce qu'il avait préalablement différencié l'Église catholique, dirigée par le pape, de l'Église du Christ. Ainsi, cet homme impie laissait entendre que l'Église catholique n'était qu'un sous-ensemble de l'Église du Christ, sous-ensemble coupable et repentant pour l'arrogance dont il avait fait preuve jadis, quand en revanche, plusieurs, et même beaucoup d'éléments de grande valeur, pouvaient exister en dehors des limites visibles de l'Église catholique, éléments qui appartiennent de droit à l'unique Église du Christ. L'impensable arriva. La fin du Concile vit la levée des excommunications, et le 7 décembre 1965, la liberté religieuse fut l'objet de la déclaration Dignitatis Humanae. La liberté religieuse, rien que ça. Ce n'était rien d'autre qu'une nouvelle dénomination de la liberté de conscience, notion qualifiée de délire en 1832 par sa sainteté Grégoire XVI dans l'encyclique Miravivos, puis par Pie IX dans l'encyclique Quanta Cura en 1864. On peut dire, sans exagérer, que l'Église catholique s'effondra à la clôture du Concile Vatican II. L'opposition conservatrice avait commis l'erreur fatale de sous-estimer les capacités de nuisance de l'ennemi. Et même si durant les premiers jours du conciliabule, la diffusion de l'excellent « 2000 ans de complot contre l'Église » de Maurice Pinet, pseudonyme utilisé par un collectif de défenseurs de l'Église, aurait pu instruire les pères des enjeux énormes du concile et des intrigues inouïes ourdies dans l'ombre par les artisans de cette révolution, cette publication méritoire n'eut aucun effet dans l'immédiat. Il faut dire que le diable avait sorti le grand jeu. La majorité des pères ne prirent pas au sérieux les avertissements concernant le coup de maître du démon qui se jouait sous leurs yeux. Grisés par le tapage médiatique qui avait accueilli l'ouverture du deuxième concile du Vatican, ils étaient totalement aveuglés. Ils participaient à quelque chose d'extraordinaire. Pris dans l'euphorie des réformes et du changement, l'immense majorité d'entre eux tombèrent dans la nasse du diable. Pourtant, comme le souligne Randy Engel,
ils auraient dû s'inquiéter du fait que les ennemis de l'Église, y compris les milieux libéraux, les communistes, les francs-maçons et les sionistes, saluaient partout l'événement comme constituant un gigantesque pas en avant pour l'humanité. Les autres, les lucides, abasourdis par l'énormité de ce qui se passait sous leurs yeux, ne surent comment réagir. Le Saint-Siège était occupé par l'ennemi et personne n'était préparé à un tel événement. Les catholiques perplexes entendaient la contre-église du pape Montini affirmer que les pouvoirs publics ne devaient pas imposer ou interdire une option religieuse. Ce soi-disant vicaire du Christ considérait les sectes hérétiques comme des options religieuses. L'église de cet imposteur n'était plus l'église du Christ, qui, selon le Concile de Nicée et d'après le Credo, est une, sainte, catholique et apostolique. La contre-église qui émergeait du Concile défendait au contraire toutes les libertés religieuses et leur libre exercice dans la société civile. Selon leur leader, les autres options religieuses devaient avoir les mêmes droits que l'Église catholique. On en était là. La religion révélée par la deuxième personne de la Sainte Trinité, incarnée pour s'offrir en sacrifice pour notre rédemption, figurait désormais dans un panel d'options religieuses qui devaient avoir les mêmes droits que la religion catholique. On peut aussi souligner que lors de Vatican II, le problème du communisme fut absent des débats, alors que lors de la préparation de ce qui devait être un concile, le bureau de la secrétairie avait sollicité les évêques du monde entier pour connaître leur avis sur les thèmes à aborder. La question du communisme arriva en tête de liste. On sait aujourd'hui, grâce aux travaux d'enquêteurs comme Randy Engel, que lors du Concile Vatican II, les pères n'avaient pas les mains libres sur la question du communisme et du marxisme. Le cardinal Tisserand ayant été chargé, en tant que premier président du Concile, de s'assurer qu'il soit fait silence sur cette question et que cette dernière ne fasse jamais l'objet d'un débat public. Le cardinal Tisserand y éprouva cependant quelques difficultés, étant donné la détermination de nombreux prélats à insister sur l'adoption d'un schéma spécifiquement axé sur une réfutation exhaustive du communisme. S'il put s'acquitter de cette mission, ce fut parce que Paul VI avait la maîtrise de l'ordre du jour du Concile. Une fois la situation calmée, il apparut que la seule allusion au communisme était une note de bas de page reprenant les déclarations des papes précédents contre le communisme. La trahison était consommée. Giovanni Battista Montini a littéralement flagellé le corps mystique du Christ, l'accablant de cruelles blessures pour l'éreinter. Et cette flagellation dura tout le temps qu'il occupa illégitimement le trône pontifical, méthodiquement. Avec le flagrum que Satan lui avait mis à la main, il s'appliqua à frapper l'Église à sa merci, lui arrachant des lambeaux de chair pour l'affaiblir, et la vidant de son sang pour lui ôter toute sa vitalité. Le coup le plus cruel fut de substituer au saint sacrifice de la messe un rituel dont Luther avait rêvé, poussant les catholiques du monde entier à imiter le sacrifice de Caïn en offrant à Dieu le fruit du travail des hommes, au lieu de l'agneau sans tache qui efface les péchés du monde, privant les membres du corps mystique des bienfaits de ce sacrement, les poussant à idolâtrer du pain et du vin dans le Saint des Saints, et les plongeant ainsi dans les ténèbres de l'aveuglement qui accompagnent toujours l'idolâtrie, et dont ils ne pourraient plus sortir à moins d'une grande grâce. L'Antichrist Montini imposa aussi une nouvelle grille de lecture des saints évangiles, plus lisse, plus anthropocentriste, plus œcuméniste, moins judéophobe, totalement erronée. Il détourna les catholiques de l'enseignement traditionnel des pères de l'Église,
qui aurait, selon lui et ses sectaires, contribué à l'antisémitisme. Il s'attaqua aussi à l'intelligence catholique, à ce qui la structure et lui donne du bon sens en la fixant dans la réalité objective, la scolastique, l'analyse des causes, l'enseignement des principes, notamment du principe de non-contradiction, tout ce qui structure correctement la pensée et produit des esprits profondément catholiques, il le relégua au rang d'antique curiosité obsolète. Et l'esprit d'émancipation, déjà infusé par l'ennemi dans l'Église, put s'épanouir en s'appuyant sur une morale bancale, dite judéo-chrétienne. Une éthique basée sur une nouvelle lecture politiquement correcte des saints évangiles et sur une approche soi-disant plus scientifique et moins absolue de l'existence humaine et des phénomènes sociologiques. Il abolit le serment antimoderniste qu'avait institué le pape Saint Pie X et abattit les lanières garnies de plomb de son fouet sur la virilité des prêtres. C'en était fini de l'image du prêtre masculin, ferme, paternel et fidèle à ses principes. Dans la contre-église conciliaire, les ministres de Belzébuth sont pour beaucoup efféminés, faibles et tolérants jusqu'à la lâcheté, car comme le note l'abbé James McLucas dans son essai « The Emasculation of the Priesthood », l'annexion envahissante par les laïcs de nombreuses fonctions sacrées naguère réservées aux prêtres est ontologiquement hostile à une saine masculinité. Et Randy Engel remarque aussi que le prêtre Vatican II projette une image de mollesse et de sentimentalisme. Le nouveau prêtre est charmant et accommodant. Il est œcuménique. Il ne condamne ni l'erreur, ni ceux qui la professent. Il est tout, sauf mal. Selon la formule du docteur Konrad Bars, il est incapable de livrer bataille au mal pour le compte du bien, prêt à subir des blessures, mais aussi, au besoin, prêt à en infliger. Ce bourreau de l'Église a supprimé les ordres mineurs pour permettre aux laïcs, même femmes, de participer à la liturgie. Ces ministres laïcs usurpèrent alors les rôles de lecteurs et d'acolytes réservés aux hommes qui se destinaient à la prêtrise et qui leur permettaient de s'imprégner de la sainteté de l'office divin. Et cette nouveauté inouïe a préparé le terrain au rite de communion présidé par un laïc, comme le fait remarquer McLucas, avant d'ajouter « L'accès de laïcs aux fonctions sacrées, qui était l'apanage des prêtres depuis 1500 siècles au moins, empoisonne le sacerdoce. » L'antichrist Montigny distribua aussi à tour de bras des dispenses autorisant le défroquage de milliers de prêtres, portant ainsi de funestes coups à la vitalité de l'Église. La fréquence de ces actes de défection et la facilité avec laquelle furent délivrées les dispenses modifièrent la perception du caractère immoral et de la gravité de la rupture des vœux et de l'abandon de la vocation. La sublime dignité du sacerdoce s'en trouva mortellement blessée et contribua largement au déclin des vocations. En Hollande, par exemple, aucun candidat ne postula pour l'admission à la prêtrise en 1970, et en moins de 12 mois, tous les séminaires de ce pays furent fermés. 10 ans après Vatican II, selon les statistiques du Saint-Siège, le nombre de prêtres dans le monde avait pratiquement été divisé par deux, passant de 413 000 à 243 000. Et quand ces coups furieux eurent provoqué cette hémorragie, pour être sûr de blesser plus cruellement encore le corps mystique du Christ, il flagella le sacrement d'ordre, détruisit le sacre épiscopal, cherchant à éteindre la lignée apostolique. Puis il s'en prit aux catéchumènes, qui entraient dans l'Église régénérés par le baptême, en privant ces enfants de Dieu des exorcismes que l'Église du Christ donne aux baptisés pour qu'ils ne soient pas seulement libérés de la tâche du péché, mais pour éloigner d'eux les démons. Il incita les gouvernements catholiques à changer leur constitution pour que la religion catholique ne soit plus la religion d'État, et fit en sorte
que la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ fut méprisée et rejetée comme un souverain mal, quand elle était un souverain bien. Son flagrum s'abattit aussi sur la curie romaine. Les évêques seraient désormais mis à la retraite à l'âge de 75 ans. Passé l'âge de 80 ans, les cardinaux ne pourraient plus voter au conclave. Ainsi, en deux coups de fouet, les prélats les plus expérimentés et souvent les plus sages furent écartés et remplacés par des hommes aux idées en accord avec celles de l'Antichrist. Paul VI réforma la sacrée congrégation du Saint-Office, c'est-à-dire qu'en un claquement de fouet, il supprima le tribunal de l'Église catholique. En transformant son rôle de défense de la foi contre l'hérésie et l'apostasie en une mission de garde, de préservation et de promotion de la foi, la Congrégation pour la doctrine de la foi. Acte de fraternisation avec les orthodoxes, les protestants, les musulmans, les juifs, les bouddhistes, les animistes, les francs-maçons, autant de coups cruels qu'il fit pleuvoir sur l'Église et qui affaiblirent un peu plus le corps mystique du Christ en lui inoculant l'indifférentisme religieux. Il rendit aux musulmans l'étendard de Lépante, bannière vénérable emportée par l'armée catholique durant la grande bataille navale contre les Turcs en 1571. Toute la chrétienté priait alors le Très-Saint-Rosaire à la demande du pape Saint-Pie V pour que Notre-Dame intercéda pour la flotte catholique en infériorité numéraire et qu'elle écrasa la marine musulmane. En remerciement pour cette victoire salutaire, Saint Pie V avait institué la fête de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire afin de commémorer chaque année son intercession. Mais le pape Montini ne voulait pas d'une paix du Christ apportée par l'intercession du cœur immaculé de Marie. Le garant de la paix, selon lui, c'était l'ONU. Il le fit savoir en une phrase cinglante, dans un discours intitulé « L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. » Car pour lui, c'était l'humanité qu'il écrivait avec un H majuscule qui devait prendre les choses en main. Cette organisation représente le chemin obligé de la civilisation moderne et de la paix mondiale. Le chemin obligé était l'ONU et non pas le Christ, qui a pourtant dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Le pape Montini adopta aussi le jour de la clôture du Concile Vatican II, le 8 décembre 1965, la croix tordue affreuse, sinistre, angoissante et ressemblant à s'y méprendre aux croix utilisées par les satanistes depuis le VIe siècle, pour représenter l'Antéchrist, comme pour annoncer la mise au tombeau de l'Église, qui laissait place à la synagogue de Satan. Enfin, terminons cette liste non exhaustive par la blessure mortelle, portée à la famille catholique par la commission dite pontificale qui plancha sur la question des droits conjugaux lors de Vatican II. La doctrine de l'Église concernant le mariage et l'usage des droits conjugaux est simple. Le catéchisme du Concile de Trente déclare que « Le mariage a été élevé à la dignité de sacrement, afin qu'il en sortît un peuple engendré et formé pour le culte et la religion du vrai Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le but de ce sacrement est de peupler le ciel d'élus, non seulement par les enfants qui naissent du mariage chrétien, et qui sont élevés dans la foi catholique par les époux, mais aussi et en premier lieu par cette voie de sanctification que choisissent un homme et une femme en s'épousant parce qu'ils se font confiance et qu'ils pensent pouvoir ensemble s'aider mutuellement à vivre comme des disciples du Christ et parvenir ainsi au salut éternel. Le mariage est un engagement devant Dieu. L'engagement de se donner corps et âme à une personne de sexe complémentaire pour fonder un foyer chrétien qui sera comme une petite église.
Tel est le sens chrétien du mariage. Cependant, le perfide Angelo Roncalli créa en avril 1963 une « entre guillemets commission pontificale » pour l'étude de la population, de la famille et de la natalité. Cette commission devait étudier les demandes politiques de limitation des naissances par la contraception « entre guillemets artificielle ». Car le monde, demandant à l'autorité en place au Vatican d'étudier cette question, cette autorité répondait positivement à cette demande quand il lui suffisait de réaffirmer la position claire de l'Église, rappelée par sa sainteté Pie XII quelques années plus tôt. Cette manœuvre permit à ce premier exterminateur de laisser planer un doute sur la position de l'Église au sujet de cette question, sans pouvoir être accusé de contredire le magistère de ses prédécesseurs. Il n'avait qu'à laisser parler les libéraux et autres modernistes, qui ne manqueraient pas d'étaler leurs réserves sur l'immuabilité de la sainteté du mariage, réduite, pour certains, à une transcendance ou sanctification de la sexualité. Les trois premières sessions de cette commission furent hostiles à la contraception dite artificielle, mais la conclusion définitive de leur débat fut reportée à un évasif plus tard, laissant supposer aux catholiques du monde entier que si la question était épineuse et dure à trancher, c'est qu'un changement de position était probablement en train de se préparer. Sinon, pourquoi tergiverser? Et comme c'était dans l'air du temps, les catholiques se convainquirent que l'Église, comme le monde, considérait désormais différemment la contraception. Jadis, limiter les naissances était perçu comme un acte immoral et antipatriotique. Mais la perception négative de la contraception dite artificielle changeait, sous l'impulsion conjointe de la propagande féministe et du silence coupable de la fausse autorité en place au Vatican. En octobre 1964, l'imposteur Montini fit retirer la contraception de l'ordre du jour des débats du Concile, au motif qu'une commission spécialisée planchait déjà sur le sujet. Les pères du Concile émirent alors le vœu que cette commission approfondisse la question, en tenant compte des apports les plus récents de la science. Pour soi-disant répondre à cette demande, le pape Montini élargit la commission. Elle fut composée de 20 théologiens, 19 démographes, sociologues et économistes, 12 médecins et 3 couples, français, américains et canadiens. Et c'est cette nouvelle commission, entre guillemets, pontificale, majoritairement constituée de laïcs, qui s'opposerait finalement à la doctrine traditionnelle de l'Église. Fait assez incroyable pour être relevé, quand la constitution Gaudium et Spes fut publiée officiellement, la note Stante Doctrina Magisteri y indiquait que la doctrine du magistère sur certaines questions était en attente de la réponse des spécialistes. La doctrine du magistère était en attente de la réponse des spécialistes? Quel scandale! Il fallait attendre l'avis des consultants, et c'est ainsi que des spécialistes, majoritairement laïcs, se prononcèrent au nom de l'Église du Christ, sur des questions de catéchisme tranchées depuis toujours, et déclarèrent en 1966, que la contraception artificielle n'était pas intrinsèquement mauvaise. Ils approuvèrent un texte final déclarant qu'il appartenait aux époux d'en décider ensemble, sans se laisser aller à l'arbitraire, mais en ayant toujours à l'esprit et à la conscience des critères objectifs de moralité. Phrase inconsistante, vide de sens véridique, porte ouverte à toutes les interprétations, qui marqua la fin de la continence périodique pour beaucoup de chrétiens et leur laissa croire qu'ils étaient autorisés à utiliser les moyens de contraception artificielle s'ils gardaient à l'esprit des critères objectifs de moralité. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, disait le serpent dans le jardin d'Éden. Et c'est quasiment
ce que les néo-théologiens de Vatican II préconisaient aux chrétiens en les incitant à décider de ce qui était bien et de ce qui était mal, puisque garder les critères objectifs de moralité est un concept si subjectif qu'il n'évoque pas la même chose pour les uns et pour les autres. Saint Montini, enfermé dans sa déchéance naturaliste, avait favorisé des compétences biologiques, médicales, sociales et psychologiques, plutôt qu'une solide doctrine, une vraie humilité, un amour de la vérité, associé à une sainteté de vie, pour sélectionner ce qui se prononcerait au nom de la Sainte Église catholique sur une question de mœurs. Ces théologiens d'un nouveau genre étaient à l'image de la nouvelle doctrine, de cette nouvelle fausse religion. Ils étaient des hommes du monde, concupiscents, arrogants, impies, des hommes charnels, rejetant la religion révélée par notre Seigneur Jésus-Christ. Après cette publication scandaleuse, le pape Montini attendit 2 ans pour promulguer, le 25 juillet 1968, la lettre encyclique sur le mariage et la régulation des naissances, Humanae Vitae, réaffirmant la position traditionnelle de l'Église en déclarant « intrinsèquement déshonnête toute méthode artificielle de régulation des naissances ». On peut considérer qu'il y était obligé pour garder la main sur le troupeau du Christ, mais qu'il pouvait se permettre désormais de jouer la comédie de l'orthodoxie, car son but était atteint. Les 2 années de flottement qui avaient suivi l'annonce des conclusions de la commission autorisant clairement la contraception, avaient été catastrophiques pour la chrétienté. Beaucoup de fidèles avaient cru pouvoir pratiquer la contraception sans être en faute. Les habitudes étaient prises, le vice installé et le laxisme du clergé progressiste favorisa le développement du contrôle des naissances qui conduisit, d'une part, à la dénatalité des pays historiquement catholiques, mais aussi au pervertissement de ces populations par la synagogue de Satan qui lançait concomitamment une vaste campagne de libération des mœurs sexuelles. Les derniers papes avaient rappelé ce que l'Église a enseigné depuis toujours et qui n'a rien à voir avec l'évolution du monde ou plutôt la dégénérescence de ses mœurs. Mais le pape Pie XII a tout de même accordé des dispenses bien larges en vérité, selon ses propres termes, dispenses qui tiennent compte de situations particulières auxquelles certains fidèles peuvent être confrontés, situations difficiles qui rendraient téméraire la procréation d'enfants. Alors, le monde obsédé par la sexualité se représente la religion catholique comme une folie masochiste, un détraquement, un refoulement, une perversité qui, au lieu d'exalter l'âme et au lieu de donner aux hommes un chemin pour s'épanouir, les pousserait vers une sorte d'obsession maladive, conduisant aux pires dépravations, dont les récents scandales de pédophilie seraient l'illustration. Hollywood y contribue grandement. Pourtant, voici ce que garantissait sa sainteté Pie XI au sujet de cette erreur funeste, en se référant au Concile de Trente. Personne ne doit prononcer ces paroles téméraires, interdites sous peine d'anathème par les pères, qu'il est impossible à l'homme justifié d'observer les préceptes de Dieu. Car Dieu ne commande pas de choses impossibles. Mais en commandant, il vous avertit de faire ce que vous pouvez, et de demander ce que vous ne pouvez pas. Et il vous aide à le pouvoir. Cette même doctrine a été de nouveau solennellement confirmée par l'Église dans la condamnation de l'hérésie janséniste, qui avait osé proférer contre la bonté de Dieu ce blasphème. Certains préceptes de Dieu sont impossibles à observer par des hommes justes, en dépit de leur volonté et de leurs efforts, étant donné leur force présente. Il leur manque aussi la grâce par où cette observation deviendrait impossible. Dieu ne nous demande pas l'impossible. La volonté, l'intelligence, la force dont il nous dote
doivent pouvoir surmonter les tentations, pour peu que l'on ait l'humilité de s'en remettre à la volonté divine et que l'on cherche à l'accomplir avant la nôtre. Si nous sommes dans une telle disposition d'esprit, Dieu ne manquera pas de nous donner toutes les grâces nécessaires pour mener à bien le combat. Cela ne veut pas dire que ce sera facile, car il y aura évidemment un combat à mener. Mais la pureté des mœurs est une chose essentielle aux yeux de Dieu. La preuve en est que lorsque l'Éternel donna les 10 commandements à Moïse, 2 d'entre eux se reportaient à la pureté, le 6e et le 9e commandement, à savoir, luxurieux point ne sera de corps ni de consentement, et l'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. C'est dire combien l'impureté est détestable aux yeux de Dieu. L'union charnelle de 2 êtres doit passer par le sacrement de mariage. Telle est la volonté de Dieu. C'est un acte important, respectable, qui, si Dieu le veut, conduit à la création de nouvelles âmes, âmes pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ a souffert sa passion. Le mari et l'épouse, qui unissent leur chair, en ayant conscience que cet acte peut aboutir, si Dieu le veut, à la naissance d'un nouvel enfant, participent au plan divin. En revanche, même dans le cadre du mariage, l'homme et la femme qui s'unissent pour satisfaire leur sensualité en privant volontairement et sans motif valable l'acte de ses conséquences naturelles, parce qu'ils n'ont d'autre considération que le plaisir qu'ils vont se donner mutuellement, participent au plan démoniaque de perdre les âmes, puisqu'alors ils ne respectent pas le 6e commandement. Le pape Pie XI a rappelé une nouvelle fois cet inviolable devoir. Comme certains, s'écartant manifestement de la doctrine chrétienne telle qu'elle a été transmise depuis le commencement et toujours fidèlement gardée, ont jugé bon récemment de prêcher d'une façon retentissante sur ces pratiques une autre doctrine. L'Église catholique, investie par Dieu même de la mission d'enseigner et de défendre l'intégrité des mœurs et l'honnêteté, l'Église catholique, debout au milieu de ces ruines morales, afin de garder la chasteté du lien nuptial à l'abri de cette honteuse déchéance, se montrant ainsi l'envoyé de Dieu, élève bien haut la voix par notre bouche, et elle promulgue de nouveau que tout usage du mariage, quel qu'il soit, dans l'exercice duquel l'acte est privé par l'artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle, et que ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont souillés d'une faute grave. Mais ce n'est pas tout. Sa sainteté a interdit aux prêtres d'enseigner autre chose aux âmes dont ils ont la charge. C'est pourquoi, en vertu de notre suprême autorité et de la charge que nous avons de toutes les âmes, nous avertissons les prêtres qui sont attachés au ministère de la confession et tous ceux qui ont charge d'âme, de ne point laisser dans l'erreur, touchant cette très grave loi de Dieu, les fidèles qui leur sont confiés, et bien plus encore, de se prémunir eux-mêmes contre les fausses opinions de ce genre, et de ne pactiser en aucune façon avec elles. Si d'ailleurs un confesseur ou un pasteur des âmes, ce qu'à Dieu ne plaise, induisait en ses erreurs les fidèles qui lui sont confiés, ou si du moins, soit par une approbation, soit par un silence calculé, il les y confirmait, qu'il sache qu'il aura à rendre à Dieu, le juge suprême, un compte sévère de sa prévarication, qu'il considère comme lui étant adressées ces paroles du Christ, « Ce sont des aveugles, et ils sont les chefs des aveugles. » Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous les deux dans la fosse. Quand l'exterminateur Jean XXIII a nommé sa commission sur le contrôle des naissances, il avait connaissance de ce texte. Et quand son héritier Paul VI fit semblant d'attendre les résultats de la commission en laissant planer le doute sur une éventuelle nouvelle orientation de l'Église catholique à ce sujet,
Lui aussi savait parfaitement ce qu'il faisait. Ils l'ont fait délibérément pour pervertir la chrétienté. Et selon les mots du pape Pie XI, ils auront à rendre à Dieu un compte sévère de leur prévarication. Cette mise en scène fut une manière sournoise de miner les dogmes et la morale sans les modifier. Comme le souligne Randy Engel, le vieil adage « Lex dubia non obligat », loi douteuse n'oblige point, acquit dès lors droit de citer dans l'esprit de nombreux catholiques. Et lorsque Humanae Vitae parut, elle était déjà lettre morte aux yeux de beaucoup d'entre eux. Des prêtres, des évêques, des religieux et des professeurs catholiques organisèrent l'opposition à l'interdiction de la contraception proclamée dans Humanae Vitae au sein même des universités et des écoles catholiques. Et Montini, l'hypocrite, ne les rappela pas à l'ordre, comme s'il voulut faire prendre conscience aux catholiques que son magistère en matière de foi et de mœurs n'était pas infaillible, car c'était le cas, comme nous allons le voir tout de suite. Le pape Montini, dans un message surréaliste daté du 23 juin 1977, félicita chaudement le docteur Françoise Pinguet, qui s'était investie au sein de la Fédération internationale d'action familiale, pour son engagement au service de l'humanité et pour ses recherches sur une régulation des naissances par voie naturelle, comme le montre l'extrait suivant. Les travaux auxquels vous vous consacrez touchent directement les graves questions de la démographie mondiale, qui ne peut laisser personne indifférent. Mais ils s'attachent surtout à la façon humaine de les résoudre. Dans le plein respect de la dignité de l'acte conjugal et dans le souci d'accueillir généreusement le don de la vie. Car derrière ces problèmes se profile l'enjeu du développement intégral de la personne et du couple, de la plénitude de l'amour conjugal capable de maîtriser la fécondité. Le Saint-Père renouvelle d'abord ses encouragements aux chercheurs et aux médecins comme aux responsables de la promotion de la santé au plan national et international. L'importance de la connaissance des lois biologiques de la fécondité humaine, qui favoriserait une saine régulation des naissances par des méthodes naturelles, exige que les recherches scientifiques s'intensifient en ce domaine, qu'elles soient coordonnées et que ce travail soit soutenu par des investissements proportionnels à l'enjeu en question et au service rendu. Ce message pourrait se passer de commentaires, tant le propos est énorme, venant de la bouche d'un homme censé infaillible lorsqu'il enseigne en matière de foi et de mœurs. Car n'est-ce pas tout à fait indécent qu'un homme, prétendant être le vicaire du Christ, puisse féliciter une équipe de scientifiques cherchant une méthode entre guillemets naturelle pour dénaturer l'acte charnel en le privant de ses conséquences naturelles. Qui plus est, dans le but avoué de permettre aux foyers catholiques de limiter volontairement leur nombre d'enfants à la quantité que les époux décideraient d'élever, et ce non pas par une pratique de la continence et de la chasteté qui serait en accord avec les lois divines, mais au contraire, en permettant aux époux d'enfreindre le sixième commandement sous prétexte de ne pas avoir recours à la contraception dite artificielle. Enfin, comble du délire, cet homme affirmait sans ciller que ce travail devrait être soutenu par les investissements proportionnels aux services rendus à l'humanité. On voit clairement, dans cette déclaration, que selon M. Giovanni Battista Montini, ce qui était pécamineux, ce n'était pas de priver l'acte charnel de ses conséquences. C'était d'avoir recours à des méthodes de contraception dites artificielles. Par contre, il laissait supposer par ses encouragements que la contraception entre guillemets naturelle n'était pas pécamineuse. Ce message témoigne donc du relâchement des mœurs que M. Montini favorisait toujours en 1977, ce qui prouve, s'il le fallait encore,
que son encyclique Humanae Vitae sur le mariage et la régulation des naissances, qui fut publiée en juillet 1968 et provoqua la colère des catholiques progressistes, ne fut rien d'autre qu'une mise en scène médiatisée qui avait pour but de laisser croire que l'imposteur gardait la ligne de conduite des papes et restait fidèle au magistère de l'Église, ce qui était évidemment faux. On ne peut pas en effet soutenir un principe et son contraire. Le pontificat de l'exterminateur Montini, des millions de personnes apostasièrent et quittèrent l'Église, tandis que des millions d'autres cessèrent de pratiquer et de confesser leurs péchés, même si elles se disaient toujours croyantes. On vit apparaître cette espèce étrange de catholiques qui se disent croyants mais pas pratiquants. Et Paul VI, le chef d'orchestre de cette apostasie générale, feignit alors de se désoler que la fumée de Satan et fait son entrée dans le temple de Dieu, déclarant dans son homélie du 29 juin 1972 « Par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu. » Face à la chutzpa de Montini, beaucoup de catholiques crurent que le pauvre déplorait une situation qui lui avait échappé. Mais ce qu'ils ne comprirent pas, c'est que ces mots étaient ceux de Satan, qui se vantait par la bouche de son vicaire. Il l'avait déjà fait juste après l'ascension de Montini, son grand prêtre, au trône de Pierre, quand ce dernier avait déclaré en 1963 cette chose incroyable, le jour de la fête de Saint-Michel-Archange. Que le monde le sache. L'Église le regarde avec une profonde compréhension, avec une admiration vraie, sincèrement disposée, non à le subjuguer, mais à le servir, non à le déprécier, mais à accroître sa dignité, non à le condamner, mais à le soutenir et à le sauver. Discours en rupture totale avec tout ce que les successeurs de Saint-Pierre avaient pu déclarer sur le monde. L'Église du Christ allait désormais servir le monde, le comprendre, l'admirer, le soutenir et le sauver sans le condamner. Dans cette déclaration, on discerne les mots de l'antique prévaricateur qui, dans son aveuglement, pense triompher, oubliant que la liberté dont il jouit sert toujours les plans divins. Malgré cette évidence, le diable, par la bouche de son pontife, défia celui qui l'avait chassé des cieux, le jour de sa fête, pour proclamer orgueilleusement sa victoire. Le port de l'épode par le pape Montini fut aussi un signe de Satan qui affichait la mise au tombeau de l'Église, tout comme la mise en vente de la tiare pontificale l'était aussi. Le révérend père Saenz y Arriaga, en 1973, constater que les infiltrés dénoncés par Saint Pidis avaient envahi la hiérarchie jusqu'au siège de Pierre. Il écrivit « Avoir donc cette étrange amulette sur la poitrine de l'actuel pontife, je crois que nous pouvons supposer sans témérité l'influence judaïque, l'influence maçonnique, ou les deux influences combinées et jointes dans le pape Montini. » Du fait que cet insigne a été utilisé seulement soit par le souverain prêtre lévitique, soit par le souverain prêtre maçonnique. Notre suspicion s'accroît d'autant plus en nous rendant compte que jamais aucun pape avant n'a porté ce joyau sur sa poitrine. Paul VI sait très bien ce que signifie ce pectoral juif et cette épode. Il sait quelle est son origine.
ils n'ignorent pas que les maçons aussi l'utilisent comme une distinction propre à celui qu'ils nomment souverain prêtre. Celui qui a abandonné la tiare pontificale pour la faire vendre aux enchères à New York n'a maintenant aucune scrupule à porter une telle amulette de grande valeur marchande et à se présenter ainsi devant les initiés, non comme successeur de Pierre et vicaire du Christ, mais comme souverain prêtre lévitique, successeur et représentant de Caïphe. La croix pectorale du pape est incompatible avec l'étrange port de l'amulette de l'ancienne alliance. Paul VI, en usant de l'insigne rituel du souverain prêtre lévitique, cherche à nous signifier qu'il n'accepte pas que la réalité s'est substituée à l'image, à la figure, à la promesse faite par Dieu. Avec le pectoral juif, avec l'épode, unis à la croix du Christ, le pape Montini nous donne l'impression qu'il cherche à joindre le Christ et l'Antéchrist. Le judaïsme a engendré la maçonnerie pour se servir d'elle, comme d'un instrument très puissant en son œuvre satanique de détruire le Christ et son Église. Le pape Montini, en usant du pectoral juif et de l'épode, nous donne à entendre qu'il est un docile instrument, sympathisant et ami en même temps du judaïsme et de la maçonnerie. On ne saurait dire mieux. Et l'on ne peut que regretter que la clairvoyance du révérend père Arriaga et Sanchez n'ait pas été entendue. On notera qu'en 1964 et 1965, représentants de la Ligue anti-diffamation du B'nai B'rith, émissaires du comité juif américain et autres rabbins ambassadeurs du peuple déicide, multiplièrent leurs interventions auprès de l'exterminateur Montini, afin d'influencer l'orientation des débats qui empoisonnaient Vatican II. Joseph Rodi, dans son fameux article intitulé How the Jews Change Catholic Thinking, publié dans Look Magazine le 26 janvier 1966, révéla qu'à Rome, avant la troisième session, six membres du comité juif américain furent reçus en audience par le pape. Ce dernier affirma à ses visiteurs qu'il approuvait tout ce que le cardinal Spellman avait dit sur la non-culpabilité des juifs. Puis, qu'accompagné de Schuster, du comité juif américain, le rabbin Eichel rencontra Paul VI et parla énergiquement du déicide et de la culpabilité et demanda au pontife de faire pression pour qu'il y ait une déclaration interdisant aux catholiques tout prosélytisme vis-à-vis des juifs. Ces rencontres, dont la teneur ne filtrait pas, inquiétaient les bons évêques. Rodi en témoigna, écrivant: C'était ce genre de réunion au sommet, accomplie sous le manteau, qui amenait les conservateurs à dire que les juifs américains formaient le nouveau pouvoir agissant derrière l'Église. La version finale de Nostra Aetate, concoctée par Augustin Béat, de sinistre mémoire, fut adoptée par 2221 voix contre 88 lors de la quatrième session. Elle déclarait: Les juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés par Dieu, ni maudits, comme si cela découlait de l'Écriture. Le travail de Jules Isaac avait payé. Mais comme le souligne Michel Lorigan, dans un article intitulé « Vatican II, du mythe de la substitution à la religion noachide » paru dans le sel de la terre, dans l'ensemble, les Juifs furent déçus par le contenu du document. Ils espéraient davantage. Mais une porte venait de s'ouvrir. Difficile à refermer. En effet, pour la première fois avec Nostra Aetate, l'Église donnait une présentation positive et hardie des Juifs infidèles. L'auteur de l'article rapporte que l'écrivain israélien André Chouraki, l'un des promoteurs de la création en 1967 de l'Association Fraternité d'Abraham, promouvant le dialogue interreligieux, releva avec pertinence: Tout à coup, l'Église,
frappé d'une amnésie à peu près totale pendant près de 2 millénaires, se souvient du lien spirituel qui l'unit à la descendance d'Abraham, Israël, ainsi réintégré dans la situation privilégiée d'aîné dans la famille du peuple de Dieu. Cette reconnaissance théologique de base était grosse d'un contenu que les siècles n'épuiseront pas. Il fallut donc 20 siècles pour que l'Église prenne une conscience renouvelée de ses racines judaïques. Par surcroît, l'Église rejette catégoriquement toute forme de prosélytisme à leur égard. Elle proscrit ce qu'elle avait jadis admis. Enfin, Michel Lorigan met en avant une réflexion très pertinente du spécialiste de l'histoire des relations judéo-chrétiennes, Menahem Massina. L'acuité de son jugement est étonnante. Il ne faut pas oublier le progrès immense que représente la déclaration Nostra Aetate par rapport à la situation antérieure. Une seule observation permettra d'apprécier le chemin parcouru. On sait peut-être que lorsqu'il promulgue des documents destinés à toute la chrétienté, les papes et les conciles ont coutume de rechercher et de citer les textes de leurs prédécesseurs, qui vont dans le sens de ce qu'ils se proposent d'enseigner dans leurs nouveaux documents. Ceci afin d'illustrer la continuité de la doctrine et de la tradition ecclésiale. Or, dans la déclaration sur les Juifs, on ne trouve aucune référence à quelque précédent positif que ce soit, chez les pères, chez les écrivains ecclésiastiques ou chez les papes. Et pour cause, la déclaration Nostra Aetate n'est pas catholique. Mais son poison a perverti l'esprit des catholiques. Et désormais, comme le remarque encore Chouraki, l'Église reconnaît la permanence du judaïsme dans le plan de Dieu et le caractère irréversible des principes définis par Nostra Aetate, refusant toute restriction et toute ambiguïté dans le dialogue avec les Juifs. Cette remarque nécessite 2 précisions. D'abord, l'auteur se trompe sur l'identité de l'Église, car la secte qui reconnaît la permanence du judaïsme dans le plan de Dieu n'est pas l'Église catholique. Ensuite, le judaïsme auquel il fait référence est très loin du judaïsme de l'Ancien Testament, puisqu'il évoque le judaïsme talmudique actuel, qui n'est autre que le développement rabbinique de la perversion de la loi entamée par les pharisiens. S'il existe une permanence dans le plan de Dieu concernant le peuple juif, c'est sa conversion annoncée pour la fin des temps, qui sera en grande partie due à la prédication du prophète Élie et à celle du prophète Hénoc, que Dieu garde pour ce temps. Hénoc fut le 7e patriarche après Adam. Quant à Élie, il disparut dans un char de feu sous les yeux du prophète Élisée. Aucune permanence donc pour le judéo-talmudisme dans le plan de Dieu, si ce n'est d'éprouver la foi des chrétiens, puisque cette doctrine perverse servira à établir l'antéchrist. Les Juifs, hélas, comme l'expliquent unanimement les pères de l'Église, seront les instruments de prédilection du démon qui aideront à l'établissement de l'antéchrist, selon l'interprétation patristique de ce verset « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Ainsi, la « entre guillemets » prise de conscience des sectateurs de Vatican II permet certainement de préparer les voies d'une nouvelle fausse religion, sans doute la dernière, celle qui reconnaîtra en l'antéchrist le Messie d'une humanité pervertie par la synagogue de Satan et divisée en 2. Un peuple de prêtres soumis aux enseignements du Talmud et le reste de l'humanité soumise aux 7 lois de Noé. Derrière la nouvelle théologie, les rapports fille-mère entre Église et judaïsme, se devine l'objectif de changer en profondeur l'esprit des baptisés, appuyé par l'effort d'éducation
que consent le peuple déicide envers les catholiques. En définitive, comme le souligne Michel Lourigan, le concile de Montigny installa dans la contre-église post-Vatican II les mensonges de la pérennité de la première alliance, de l'estime du peuple juif qui, de peuple infidèle et déicide, gagna un statut de frère aîné dans la foi, de peuple sacerdotal, et enfin de l'excellence de s'exercer constamment au dialogue et à la coopération avec le judaïsme talmudique qui aurait tant à apprendre aux catholiques. Ces mensonges induisent le renoncement à la conversion des juifs et préparent les voies du noachisme. Un texte ahurissant de 1973 du Comité épiscopal français pour les relations avec le judaïsme, là encore mis en avant par Michel Lourigan, illustre bien l'état d'esprit servile qui s'est abattu sur l'église montinienne. En voici un extrait. Le judaïsme doit être regardé par les chrétiens comme une réalité, non seulement sociale et historique, mais surtout religieuse. Non pas comme la relique d'un passé vénérable et révolu, mais comme une réalité vivante à travers le temps. Les signes principaux de cette vitalité du peuple juif sont le témoignage de sa fidélité collective au Dieu unique, sa ferveur à scruter les Écritures pour découvrir, à la lumière de la révélation, le sens de la vie humaine, sa recherche d'identité au milieu des autres hommes, son effort constant de rassemblement en une communauté réunifiée. Ces signes nous posent, à nous chrétiens, une question qui touche le cœur de notre foi. Quelle est la mission propre du peuple juif dans le plan de Dieu? Une élection qui continue. La première alliance n'est pas caduque. Contrairement à ce qu'une exégèse très ancienne mais contestable a soutenu, on ne saurait déduire du Nouveau Testament que le peuple juif a été dépouillé de son élection. L'ensemble de l'Écriture nous incite au contraire à reconnaître dans le souci de fidélité du peuple juif à la loi et à l'alliance le signe de la fidélité de Dieu à son peuple. La première alliance, en effet, n'a pas été rendue caduque par la nouvelle. Le peuple juif a conscience d'avoir reçu, à travers sa vocation particulière, une mission universelle à l'égard des nations. On croit rêver, mais on ne rêve pas. Et le texte date de 1973. Depuis, que de chemin parcouru dans le mauvais sens. L'antichrist Montigny ne portait pas les podes de Caïphe pour rien. Il était bel et bien son successeur. Il a déposé la triple couronne pontificale parce qu'il a mis l'église de Christ au tombeau.